Allo tout le monde, voici champion MCR, aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans. Aujourd'hui c'est la première vidéo après le spécial qu'il y a eu sur Clash of Clans au mois de février. Dont la 51e vidéo de Clash of Clans. J'avais dit dans une précédente vidéo que je suis monté Master 1. Ça fait du bien. C'est dans quelle vidéo déjà? J'en sais même plus. Peu importe. Et c'est pas facile, j'ai baissé, malheureusement. Mais je tente bien évidemment de revenir dans le registre de Master 1. Là, je suis retombé dans le registre de Master 2. Je ne suis plus au niveau. Pas en tout. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait une affaire que fallait que je fasse. Toutes mes tours d'archer sont améliorées au niveau 11. Parfait. Là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai amélioré aussi ma tour à bombe au niveau 3. Mais ce que j'ai fait, ça coûte 5 millions quand même, une tour à bombe de niveau 3. Niveau 4. C'est vrai. Ou niveau 3, niveau 4, peu importe. Je me suis finalement décidé d'améliorer une affaire très importante qui va changer mon village au grand complet. J'aime. Il est en train d'améliorer à l'hôtel de ville niveau 10. Combien il coûte le prochain? Quand même! 7 millions de dollars! C'est cher. L'hôtel de ville autrefois coûtait que 4 millions de dollars pour l'augmenter à l'hôtel de ville niveau 10. Mais depuis qu'il y a l'hôtel de ville niveau 11, moins 11, ils ont monté le prix à 5 millions de dollars. Ça, j'étais pas vraiment très content. Qu'est-ce que vous voulez? Puis je vais pouvoir améliorer aussi quand je vais être rendu à l'hôtel de ville niveau 11. C'est aussi pour cela qui ont augmenté plutôt le prix de l'hôtel de ville niveau 10. Parce qu'ils ont augmenté. On peut aller jusqu'à 9 millions. Il reste 5 jours 22. 5 jours 22. On va dire 6 jours. En gros. C'est bien. Là, vu que je me suis fait attaquer et tout, je veux pas attaquer en multijoueur, mais attaquons là-dedans. Bien évidemment, il faut bien avancer. Puis ça va être facile. Très facile. Un peu d'archer. On les utilise toutes, on s'en fout. On gaspille, on s'en fout. De toute façon, on va avoir le 100% facile. Facile comme tout, j'ai même pas besoin d'envoyer le roi et la reine. Une étoile déjà, deux étoiles même. Même s'il y a bien des défenses qui attaquent, c'est pas grave. Ils sont trop nombreux. Et le dernier. Et voilà, un beau 100%. Avec bien de l'argent. Ça, c'est bien. Un beau 100% facile. Il en reste pas beaucoup. Il en reste que 3 à avoir. Méga manoir qui sera par contre va être un peu plus difficile à avoir. Ou attaquer bien évidemment ses côtés. Bien évidemment. Parce que si tu peux protéger. Ses côtés pas et ses poignées.
chacun des mortiers. En gros, c'est ça là qu'il faut attaquer. Faut bien faire reformer mes affaires. Où je récolte tout mon argent, tant qu'à ça. Voilà. Puis comme que vous pouvez voir, chaque tour d'archer est au même niveau, donc au maximum. Juste les défenses aériennes, puis certains pièges qui sont. Merci. Qui sont pas au maximum, c'est tout. Puis avec les morts en pompe, bien évidemment. Les pièges à ressort, les 6 sont pas été améliorés. Bombe géante, il y en a 4. Faut que j'améliore. Bon. Bombe 6. 6. Bombe aérienne 4. Plus hôtel de ville qui est en amélioration. C'est 12 jours. J'ai même pas vu le temps passer. On dirait que ça fait depuis pas longtemps là. Ça passe vite. Honnêtement, je trouve que ça passe vite. Ah, j'ai 5 millions de dollars, 5,5 millions d'élixirs. Oh, c'est bien. Là, je dépense plus. J'économise pour les prochaines choses à acheter. Parce que oui, on va y avoir des choses qu'il faudra acheter. La première chose que je vais acheter, c'est la tour de l'enfer! Ben ouais! Faut pas que je jette la tour de l'enfer! Puis c'est le premier que je vais acheter. Ou si je vais acheter, bien évidemment, des petites affaires pas trop chères aussi en même temps. Et pour l'élixir, bien sûr, faut améliorer ça. À 4 millions. J'ai d'autres choses par contre à améliorer. Ou à acheter plutôt. Malheureusement, ce sont nous à l'hôtel de vie niveau 11. Je ne peux pas rien faire. C'est le plus important. C'est vraiment le plus important. Et je veux pouvoir aussi améliorer mes camps militaires. Ouais. Parce que on peut l'améliorer jusqu'au niveau 8 pour avoir 240 troupes. Et ça va être bien. Dont 12 dragons. Ouais, 12 dragons. Ça coûte cher, des dragons. Quand même assez cher. Mercredi. Le 15 mars 2017. Absolument, j'arrive de l'école. Mais exceptionnellement, cette journée-là, je n'ai pas eu d'école. Parce que, si vous avez entendu aux nouvelles, nous avons eu ben de la neige. Toutes les écoles de Montréal étaient fermées. Probablement aussi toutes les écoles du Québec, probablement. Tout était fermé. Je veux pas les magasins, hein, je veux pas être au magasin, mais toutes les écoles. Durant la nuit, là. Toute la journée, jusqu'au lendemain, là. Au moins un bon 30 cm, même. Qui a tombé. Puis ça tombait encore, là. Je vous dis, là, ça tombait encore. Je m'en souviens plus trop si on a eu 50 ou 60 cm de neige, mais quand même. On en a eu, enfin! Et ça faisait si longtemps là que j'avais pas vu autant de neige comme ça d'un coup en plus. La dernière fois que j'ai manqué l'école à cause de la température, à cause d'une tempête de neige plus précisément, c'est il y a 10 ans. Vous imaginez? J'étais au primaire quand que la dernière fois. Vous imaginez? Ça fait du bien d'avoir bien de la neige. Honnêtement, là, ça fait du bien. Même s'il y en a qui sont tannés. Ça, c'est une autre histoire. Mais sinon, moi, je suis bien content.
Pour qu'est-ce qui est de... Quelle vidéo déjà? Ah oui! RPG Maker, Perfor Demo. Pour cette vidéo que j'ai faite juste pour vous, bien évidemment, c'est une série, bien évidemment, avec quelques problèmes techniques que je suis en train de régler, que vous allez... que je vais peut-être expliquer en même temps. Sachez que cette série, exceptionnellement, cette série, vu que ça va être un peu trop long de tout faire en vidéo, je risque de le faire sur Twitch. Pas tout de suite, mais je risque de le faire sur Twitch. Parce que c'est très long. Je vous dis, c'est très long. Je vais le faire sur Twitch quand je saurai comment ça fonctionne. Comment faire partir une vidéo. Parce que je risque de faire un moment donné un test. Oui, un test sur Twitch. Ce sera une vidéo test, tout simplement. Pour voir si ça fonctionne. Je sais pas si ça c'est avec l'intermédiaire de YouTube. Je ne sais pas. Peut-être qu'il faut démarrer la vidéo en direct sur YouTube. Et ensuite, Twitch, on peut embarquer. Ou c'est complètement une autre affaire. Complètement différent. Je n'ai aucune idée. Honnêtement. Je n'ai absolument aucune idée. On va voir ça en temps et lieu. Mais je vous avertis tout de suite que je ferai des vidéos Twitch sur cette série. Perfor Demo. Mais qui est RPG Maker. Dites-moi en commentaire si vous voulez. Est-ce que vous voulez que pour le nom que je garde RPG Maker espace tiret espace Perfor Demo vidéo tel. Ou vous voulez que je change de titre pour Perfor Demo. Le espace tiret espace RPG Maker vidéo tel. Je vous laisse me le dire en commentaire ce que vous voulez, sinon je vais laisser ça de même. But, ça me dérange pas. Ouais. Sûrement laisser ça de même, pourquoi comme ça. Puis si vous vous disiez que je fais la programmation, je vous dis que non. C'est la petite programmation, oui, de base, mais la programmation, je risque d'en faire avec vous. Oui, je risque d'en faire avec vous de la programmation. Pas tout de suite, mais parce que je n'ai pas encore vu la programmation. Peut-être, ça va être en informatique par contre. Ça va être plutôt vers dans le coin de l'été. Puis en parlant de l'été, juste pour vous dire, pendant peut-être, pas certain, peut-être 3 semaines, ça va rouler encore moins vite. Il y aura encore moins de vidéos pendant 3 semaines durant l'été. Peut-être pas, vu que peut-être que je prends de l'avance. Mais je vous dis tout de suite. Et pourquoi encore? Tout simplement parce que j'ai un stage. Autre chose aussi. Mise à jour d'équilibrage. Oui, parce que il y a eu une mise à jour. Si je me trompe là, pas. Il y a eu une mise à jour au début mars. Dans le coin là. Dans la semaine d'horloge, si je me trompe pas. Défense anti-aérienne, défense aérienne, niveau 9, ajouté à l'hôtel de ville niveau 11. Tout est à l'hôtel de ville niveau 11. Posez-vous pas la question, tout est à l'hôtel de ville niveau 11. Limite des remparts de niveau 12 améliorée de 25. Celle-là, je le comprends pas. Honnêtement, je ne la comprends pas. Amélioration de chevaucheur de cochon, du mineur, de la sorcière, du dragon et du P.K. Oh. Intéressant, le dragon. Et ouais, on va voir de nouvelles, plutôt des niveaux supplémentaires pour des troupes.
Sûrement tout est pour Hôtel de Ville Nouveau. Sûrement tout. Je vais essayer de résister, mais essayer de rester encore dans le Master 1, mais je suis plus dans le registre. Je vais essayer quand même rester juste à temps que mon hôtel de ville soit amélioré. Comme ça, je vais pouvoir faire de quoi peut-être? Je vais avoir une meilleure défense. Donc dès le départ, le tour de l'enfer. Ouais. Quand je veux le tour de l'enfer, on en a deux à avoir. Deux tours de l'enfer. Mais voilà. Donner des troupes, ça donne de l'expérience, juste pour vous dire. Ouais. Plus que vous donnez de troupes, plus que vous de place de troupes, plus que vous avez d'expérience. Si vous donnez un dragon, vous avez 20 d'expérience. En gros, c'est ça. Puis du fait. Ça passe directement vite, je trouve. Incroyable. Puis je suis quand même assez un peu déçu. Ouais. Bon, Minecraft saison 3, vidéo 7, ça m'étonne plus ou moins. Mais je suis déçu pour Thursman. C'est la dernière vidéo de la saison. Pourquoi? Tout simplement parce que le scénario est terminé. Tout simplement. Avec l'autre vidéo précédente de Thursman, j'avais 37 vues. Alors que je tourne 37 vues. L'autre précédente, 41 vues. 32 vues l'autre. Pour voir arrêter l'autre, tout simplement. Mais quand même, il y avait quand même pas mal de vues. Trentaine, quarantaine, surtout la trentaine. Là, en 2 jours, on est capable d'atteindre bien plus de vues. En 2 jours, on est capable d'atteindre une vingtaine de vues. Mais là, en 2 jours, 12 vues. C'est pas beaucoup, je trouve. C'est sûr que ça a sûrement changé depuis. De l'heure que je tourne. À l'heure que vous écoutez, ça a changé sûrement. Mais j'étais déçu un tout petit peu. Pour Minecraft saison 3, comme je l'ai dit, il va y avoir une dernière vidéo pour donc j'ai prévu une petite quelque chose pour en finir avec la série déjà. Vous pourrez dire ça, c'est sûr. Mais c'est une série que qui me tente pas de continuer. Honnêtement, ça me tente pas de continuer la série. Je vais l'arrêter. Et on va reprendre la saison 4 pas tout de suite. On va attendre encore avant de poursuivre la saison 4. Et oui, on va attendre. En ce moment, il y a la série Apcard, qui est quand même correct. Un bon niveau. Moi, je trouve je suis satisfait de Apcard. Au début, je pensais de pas être satisfait, mais plus ça va, plus que je suis satisfait. La dernière vidéo, alors que je tourne, c'est 41 vues. C'est bien. 47, la 10e vidéo. La 9e, 47. Hein? Ça suit. Eh ben. 40, la 8e. 50! La 7e. 53. La 6e. On va aller plus loin. 53 encore. La 4e. Ça va baisser. La 3e. 56. On voit la 2e maintenant. Elle est où? Oh, faut que j'aille encore plus loin, moi. Ah ouais. Je vois pas. Pas long. Ok, 1. La deuxième, par contre, 23, puis la première, 29. Par contre. Puis l'annonce Upcard, c'était dommage un peu. Je trouve ça dommage.
Juste 13 vues. Je trouve ça dommage, honnêtement. Mais au moins, sa musique de l'annonce Upcard, le temps de peur, au moins, il y a 58 vues. Au moins, alors que je tourne bien évidemment. Puis la vidéo, on va aller dans les plus vues. On doit se rendre juste du blabla en cette série. Mais inquiétez-vous pas, ça c'est pas que du blabla. Et pourquoi? Simplement parce que j'ai juste un bouclier de. J'avais un bouclier de 14 heures. Ouais. On a passé la barre des 2000 vues pour la vidéo de présentation 2. À un moment donné, peut-être pas tout de suite, de toute façon, elle est encore. Semi-actuelle quand même. elle sera plus actuelle, j'avoue. Il faudrait déjà que je pense peut-être d'en faire un autre. Celle-là, par contre, va être différente. Ça sera comme des bons moments. Avec la chef clan, bien évidemment. Plusieurs. Comme la vidéo de présentation actuelle, mais différemment. Vous verrez ça. À moins que vous êtes prêts. À moins qu'il y en ait un qui serait assez fou pour me faire une vidéo de présentation. Mais je suis capable de le faire moi-même. Puis en abonné, ça monte pas vite. Si vous voulez, vous pouvez aussi me donner en commentaire des choses que. Des points qui seraient peut-être à travailler. Que ce serait bien que des points que ce serait à travailler pour que je sache quoi améliorer pour améliorer le tout. Bien évidemment, pour qu'est-ce qui est filmé Minecraft, je ne peux pas changer vu que je peux uniquement filmer en fenêtre et non en plein écran. C'est ce qui est dommage. Parce que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour certains logiciels. C'est dommage par contre. Mais ça va être tout pour aujourd'hui. Moi, je fais une attaque au moins. Une attaque réussie facile. Parce que. Pour avoir des 3 étoiles. Parce que. Il faut pas oublier une affaire. C'est une mission. Gagner 150 étoiles sur la carte de campagne. Oui, la carte de campagne. En bon québécois. La récompense est de 1000 XP d'expérience avec 20 gemmes. Et il me reste que 7 étoiles. Qui est, bien évidemment, 2, 4, 7. Et oui, il reste juste ces 7. Ces 3-là. Il reste juste ces 3-là. Pour le PK. Je serais attaqué par là. Peut-être une défaite. Pas grave. C'est juste un barbare. C'est pas grave. Parce qu'il est barbare. Tout simplement. Bon. Formation, un barbare. Et voilà. On va aller voir. Avant ça, c'était. Le parc P.K. était ici. À la place de Tour Acide. Ils l'ont changé. Aussi. La dernière. Dont je n'ai même pas touché. À son argent. Riche. Ouais. Il est riche, ce village. Tellement riche que je vais l'attaquer. Quand que j'aurai besoin d'argent. Oui. Pour me ranger le truc de niveau 10 dans peut-être 2-3 vidéos. Ça va être ça. Si c'est pas plus, bien évidemment. Comment je vais attaquer?
C'est simple. Je vais attaquer ici. Au nord-ouest. Au nord-ouest. Où que les belles défenses aériennes. Comment attaquer encore? J'en ai aucune idée. Je reste. Du coup, plutôt attaquer en dragon. Ou semi-dragon, semi-terrestre. Peut-être ça, on va voir ça en temps et lieu. Bien évidemment. Golem, peut-être. Un ou deux golems. Quelques dragons. C'est très utile, les dragons. Et on va voir avec le reste. On va voir en temps et lieu quand que je vais être rendu là. Comme ça, on n'est pas rendu là, j'ai. Bon, je pourrais toujours l'attaquer, mais j'ai pas besoin d'argent. Il m'en reste encore deux à avoir avant d'arriver là. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Google+, Twitter, car tout le monde est bienvenu. Et regardez aussi Facebook de temps en temps, parce que y a des fois, je publie des affaires qui sont uniquement sur Facebook. À un moment donné, je vais faire une affaire uniquement sur Twitter, dont le fantôme de la route 14 dont j'avais annoncé, je vais le mettre sur Twitter aussi. Mais j'ai pas réussi de le mettre par contre sur Twitter du tout. C'est pour ça qu'il n'était pas disponible sur Twitter, sinon il aurait été sur Twitter. Parce que suivez attentivement, on ne sait jamais, je vais mettre l'événement du live Twitch. Je pourrais sur YouTube, mais c'est mieux pas. Pourquoi? Parce que c'est le même. Puis de toute façon, tous les YouTubers sont sur Twitch aussi. En gros, bon, pas toutes, mais bonne partie des YouTubers sont sur Twitch et YouTube en même temps. Ils font une vidéo par semaine, exemple sur Twitch, ou quelquefois de temps en temps sur Twitch. Alors pour ça, je vous dis bonne journée, bonne soirée. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Clash of Clans avec un tracteur qui déneige, en train de déneiger. Ouais. Avec toute la neige. Wow. Combien de centimètres de neige, je n'ai aucune idée. Alors pour ça, je vous dis merci à tous.